Bonjour à toutes, ici Sky Galaxia. J'espère que vous êtes toutes bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo comment obtenir le charme chromal et ovale. Dans le fond, qu'est-ce qui fait le charme chromal? C'est que ça nous permet d'avoir plus de shiny, dans le fond, de trouver un peu plus de shiny. Et le charme ovale va nous permettre, dans le fond, d'avoir plus de chances d'avoir des œufs à la pension Pokémon. Pour le charme chromal, il vous faut absolument avoir fini le Pokédex. Dans le fond, de Pokémon Soleil et Lune, et mais vous n'avez pas besoin de Pokémon Fabuleux, vraiment, le Pokédex, ça en est fabuleux. Alors, pour aller chercher le champ Chroma et Oval, il faut qu'on aille à Akala, sur l'île d'Oalalé. Je sais pas si... D'Oalalé, je sais pas si je prononce bien, excusez-moi pour la prononciation. Après ça, un coup qu'on est rendu ici, il faut qu'on aille à droite, dans le bâtiment ici, il faut qu'on aille au premier étage. Alors vous allez voir. Il y a un petit personnage dans une même espèce de Pokémon. Il y en a à peu près 1 sur 4000 qui sont chromatiques. Truc de ouf. Et oui. Alors on va aller chercher en premier lieu le charme ovale. On va parler à Morimoto. C'est pas pour me faire mousser, mais je suis un vrai expert du combat. Je dis ça. Je dis pas ça pour te faire peur, mais enfin tu veux te battre. Je suis fort. Oui. Alors il faut combattre Morimoto. La personne qui travaille chez Game Freak, parce que dans le fond le bâtiment c'est Game Freak. Alors lui il a des Pokémon de la première génération qui sont quand même assez forts, je vous le dis. Arbluff, c'est normal. Elle va encore attaquer. Non, ok. Kangourex est pas mal. Uppercut. Encore. La synergie. On va changer, on va le tenir. L'ensemble de Fatal Frame. Oh non, 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 non. Oh, ok. Et voilà. Et on prend le petit Dali. Ok.
Un grand pêcheur. Non. Un colosse. Ouais. On va avoir un petit peu de la botte. Attends, faut le faire. Ok. Chose qui... Okay, ouais. Ouais, ok, on va utiliser une capacité Z. Je sais que c'est quand même assez fort. Okay, le maximum. Et voilà. Ok. Un jour je deviendrai super méga femme aussi. Ok. Donc on a fini le combat. Dis donc, t'es pas mal. Vice non plus, toi, tu m'as battu, tu as bien gagné le droit de faire mousser auprès de tes amis si tu en as. Bon, soyons honnêtes, le mérite revient surtout à tes Pokémon, laisse-moi les soigner. Les soins. Tiens, je te donne ça, le simple fait de posséder cet objet en manque de sang, je trouvais des œufs à la garderie. Et voilà, on approchera le champ ovale. Je serais prêt de t'en compter une fois par jour pour qu'elle ne parvenir demain, même si j'aurais pas oublié. On existence ici là. Ok, après ça, il faut qu'on aille voir lui. Lui, il va nous donner le championnat. Je suis le réalisateur du jeu. Vite, montre-moi ton Pokédex. Ça alors, tu as réussi à trouver tous les Pokémon de Melimeli. Le Pokédex de Melimeli est complet. Bravo, incroyable. Il nous donne des tampons. Lui, il nous donne vraiment tous les tampons. Ben, presque tout. Pour te féliciter de l'avoir accompli, laisse-moi te donner un petit tampon. Justement. D'être complet de mêlée. Après ça, faut encore qu'on parle à quelle heure. Oula, là. Il est pas mis.
On a complété le Pokédex d'Alola. On a un petit tampon. Ce n'est pas qu'un tampon, mais une passe de sang. Moi, je te ferai un cadeau à toi qui a rempli le Pokédex à la perfection. Cet objet spécial va te permettre de rencontrer des Pokémon chromatiques plus facilement. Cool, non? Et voilà, le charme chroma. Alors, c'était tout. C'était comme ça que, dans le fond, on avait le charme ovale et le charme chroma. J'espère, dans le fond, que cette vidéo vous a aidé, dans le fond, à trouver le charme chroma et le charme ovale. Et puis, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas, dans le fond, à mettre un pouce en l'air, à commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos bientôt. Allez, bye bye!